Christopher Froome. Il est le favori du Tour. Son équipe, britannique, la Sky, domine le peloton. Christopher Froome, 28 ans. Et voici son principal challenger, Alberto Contador, 30 ans, double vainqueur de l'épreuve. Gagneront-ils le Tour à la seule force du mollet? Non, si l'on en croit Lance Armstrong, fin connaisseur. Le Tour est une épreuve d'endurance, plus de 3400 km. Le Texan, déchu de ses 7 titres dans l'épreuve, est catégorique. On ne peut pas remporter le Tour sans dopage. Une sortie médiatique et un soupçon récurrent qui n'ont pas tué la poule aux œufs d'or. Cette année encore, la caravane publicitaire du Tour s'élancera précédant les 198 coureurs. Elle s'étire sur 12 km, comprend 180 véhicules. Les 10 millions de spectateurs massés au bord des routes la voient beaucoup plus longtemps que les cyclistes. Idem, pour les télévisions, le Tour sera diffusé dans 190 pays. La grande boucle est regardée par 3,5 milliards de téléspectateurs dans le monde. Un succès d'audience incontesté.